Jeudi 10 octobre 2019, bienvenue à cette édition de nos informations de la mi-journée sur ETélé. Les titres. La cérémonie d'ouverture du dialogue politique initiée par le chef de l'État Patrice Talon a eu lieu ce jour, jeudi 10 octobre 2019, au Palais des Congrès. C'est le président de la République en personne qui a ouvert les travaux de ces trois jours d'échange. Demain, vendredi 11 octobre 2019, c'est la Journée internationale de la fille. En prélude à cette journée, le ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message. On aura dans cette édition la quintessence ou un extrait de son adresse. Et puis, le cancer de l'enfant était au cœur d'une séance de sensibilisation ce mercredi 9 octobre 2019 à la salle de conférence plénière de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou. C'est là pour le sommet. Le développement est à suivre. À nouveau, bonjour et bienvenue dans cette édition. Une édition qui se focalisera plus ou moins sur cette actualité qu'est le dialogue politique ouvert ce matin. La communauté internationale célèbre demain, vendredi 11 octobre 2019, la Journée internationale de la fille. Avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles, c'est le thème retenu cette année sur le plan international. Et comme tous les autres pays, le Bénin ne restera pas en marge de l'événement. En prélude à cette journée, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a délivré un message. Écoutons-la au micro de Karina Denis et de Yesufu Semia. Cette journée, retenue par l'Assemblée générale des Nations unies, dans sa résolution 66-170, datant de 2011, vise la reconnaissance des droits des filles et les obstacles particuliers auxquels elles se heurtent de par le monde. Cette journée promeut également l'autonomisation des filles et l'exercice de leurs droits fondamentaux. Le thème choisi sur le plan international pour l'édition 2019 est, avec elle, encourager l'instruction et la qualification professionnelle des filles. En effet, partout dans le monde, les filles doivent faire face à des adversités qui entravent leur éducation, leur formation et leur entrée dans le monde du travail. Elles ont peu accès à l'information, à la technologie des communications et aux ressources pour lesquelles l'indice mondial des disparité entre hommes et femmes ne fait qu'augmenter. Rien que pour 2019, dans les régions en développement, 12 millions de filles de moins de 18 ans seront mariées et 21 millions de filles âgées de 15 à 19 ans tomberont enceintes. Au Bénin, une étude de 2015 sur le comportement, les attitudes et les pratiques violentes sur les enfants menée par mon département ministériel avec le soutien de l'UNICEF, montre que l'âge des jeunes filles mineures est une pratique communément acceptée. Ainsi, près d'une fille sur 10 est mariée avant 15 ans et plus de 3 sur 10 avant 18 ans. Ces mariages forcés ou précoces ont un impact conséquent sur l'accès à l'éducation. Le thème de la 8e édition de la Journée internationale de la fille, JIFI, nous exhorte par ailleurs à évaluer nos traditions en vue de les arrimer au développement que nous souhaitons, à mettre en place des dispositifs efficaces susceptibles d'améliorer leurs conditions d'accès à des opportunités de développement. C'est justement ce à quoi s'attelle chaque jour et ce, depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon, à travers les multiples réformes opérées, entre autres, dans le secteur de l'éducation, partant du primaire au supérieur, en passant par l'enseignement secondaire, la formation technique et professionnelle. Mesdames et messieurs, je lance un appel à toutes les autorités, à divers niveaux, qui doivent rester garants des textes de la République en veillant à leur respect et application rigoureuse. C'est un défi à relever, car nous ne saurons continuer à briser l'avenir des filles au nom de la tradition et des interprétations erronées de nos grands livres saints. Je reste convaincue que, en coordonnant nos interventions,
Nous relèverons ces défis afin que les statistiques soient meilleures d'ici à la prochaine édition de la JIFI. Rémi Prosper Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, a reçu en audience ce mercredi 9 octobre 2019 les membres de la Fondation Malehosso. C'est une visite de courtoisie, mais aussi une occasion pour s'enquérir de la situation de certains organes de presse jusque-là suspendus. Si le journal Nouvelle Tribune a gagné un procès, et présentement, il n'y a pas de suite. Le président nous a donné des éclaircissements. Nous avons posé aussi le problème de la télévision, la béninoise, qui ne travaille plus. Il nous a donné quelques informations. Et maintenant, nous allons essayer de rencontrer les promoteurs pour leur demander ce qu'il faut, ce qu'ils veulent. Pour la Radio Soleil, le président nous a dit qu'il a déjà fait un tour là-bas et il est en train de mener des enquêtes. Les membres de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM ont animé une conférence de presse dans l'après-midi de ce mercredi au siège de l'institution à Cotonou. Cette sortie médiatique de Eric Sounouvo et ses collègues se tient au terme de la première plénière de l'ODEM, 8e mandature. Je vous invite à suivre un extrait des grandes conclusions issues de leurs échanges. Réguler et faire respecter les règles de déontologie dans les médias au Bénin, telle est la mission principale de l'ODEM. Et c'est pour répondre à cet exercice et faire l'état des lieux du respect des tests qui régissent la presse au Bénin que Eric Sounouvi, président de l'ODEM, et ses pairs ont procédé à la première plénière de la 8e mandature. Un satisfecit a été décerné aux journalistes pour l'approche de prise de conscience dans le respect des règles de leur métier avant le rappel de quelques fautes qui récidivent. Il y a le phénomène des titres siamois qui est un phénomène. Phénomène dangereux qui s'observe dans le monde des médias, où vous allez voir que des titres de production affichent les mêmes titres. Et même dans le contenu, vous constatez que c'est les mêmes erreurs qui passent dans les productions. Ça relève de l'amateurisme et ça relève aussi de l'absence de rigueur et de respect du protocole scientifique de gestion de l'information dans les médias. Vous allez constater que l'espace de contradiction n'est plus offert aux consommateurs de produits de médias. Au terme de la plénière, quelques décisions ont été prises et rendues publiques. Cette décision, je le rappelle, concerne le journal L'événement du jour. Par lettre en date du 9 avril 2019, Madame Précieuse Semano, fondatrice du blog boussoleprécieuse.com, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias d'une plainte contre le journal L'événement du jour pour plagiat. La deuxième décision concerne trois quotidiens, l'Option quotidien, le routier et le leader du jour. Il s'agit de la décision numéro 00119-ODEM8. Conformément à l'article 27 de ses statuts, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a relancé des auto-saisines en cours lors de sa séance du 28 août 2019 à propos des traitements faits par certains journaux d'une information relative au Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA en sigle. En application aux articles 6, 8, 17 et 20 du Code de déontologie dans les médias, des décisions appropriées ont été retenues contre les auteurs de publications incriminées. L'ODEM remarque que les auteurs des différents articles de presse ont méconnu la démarche du contradictoire. Constate que les personnes concernées n'ont pu apporter les preuves des accusations contenues dans les articles de presse incriminés.
constate aussi l'acharnement d'organes de presse pour ternir l'image du CNP à Bénin, déplore le caractère injurieux, diffamatoire et excessif de ses productions journalistiques, condamne les journaux, l'Option quotidienne, le routier, le leader du jour et les directeurs de publications respectifs, Hakim Aboudou, Léandre Accordé-Dassa, Olivier Pouenou, pour violation des articles 6, 8, 17 et 20 du Code de déontologie de la presse béninoise. Rappelons que cet exercice est le premier de cette 8e mandature de l'ODEM, Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. En lieu et place d'un extrait, c'était plutôt un reportage de Rafiatou Mamadou et de Paul Esther. Ça aussi, je l'annonçais en titre, l'actualité de cette semaine, c'est le dialogue politique qui s'est ouvert ce matin. Et comme annoncé, ce dialogue convoqué par le président de la République, Patrice Talon, s'est ouvert ce matin en présence des représentants des 9 partis invités et des personnalités politico-administratives. C'est le chef de l'État lui-même qui a procédé au lancement des assises au Palais des Congrès de Cotonou. Reportage Latifou Boni et Paul Esther, ça aussi. La classe politique a répondu à l'appel du chef de l'État pour le dialogue. À quelques minutes de l'ouverture de ce grand moment, les responsables des institutions, ceux des partis politiques, ainsi que les délégués des formations politiques conviés, sont tous sourires. Un symbole de la portée unificatrice de l'initiative de Patrice Talon. C'était annoncé pour démarrer à 9h à l'heure pile. Le président de la République est là. Il va mettre le dialogue dans son contexte. Si les gens des mois d'avril, de mai et juin n'ont pas remis en cause le processus démocratique de notre pays, encore moins son édifice républicain, ils auront néanmoins révélé une certaine inadéquation entre l'idéal unanimement partagé et notre capacité à tous de nous adapter aux exigences de cet idéal. Notre pays nous appelle au réalisme, à la solidarité et à la cohésion. Aussi indiqué qu'il puisse paraître, notre charte des partis politiques et notre code électoral nous ont causé du tort. Parce que bon nombre d'entre nous, à la mise en œuvre, ne s'y sont pas retrouvés. Aussi apparaît-il désormais pertinent que les acteurs politiques se retrouvent pour apprécier leur application, réfléchir et échanger sur les adaptations possibles à y apporter en vue d'une meilleure et réaliste organisation de l'espace politique et de la compétition politique, permettant le renforcement de l'unité nationale et de la concorde, tout en préservant l'indispensable assainissement des pratiques politiques. Le contexte oblige à réagir, réfléchit pour sauter les verrous, une tâche à laquelle Patrice Talon convie les acteurs politiques. Le dialogue politique auquel je vous convie trouve sa justification dans la volonté de notre peuple de voir ses acteurs politiques se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Il s'inscrit dans mon souci permanent d'associer les acteurs politiques à la recherche des compromis aux questions politiques essentielles, notamment électorales, dont la résolution est indispensable à notre cohésion et à notre marche vers le progrès. Sa finalité réside dans les recommandations responsables qu'il vous appartiendra de formuler à mon endroit. Je suis convaincu que la foi qui vous anime et l'engagement politique responsable qui est le vôtre nous permettront de trouver les solutions qui renforcent davantage nos institutions et les éloignent de toutes les formes de perversion et de régression. L'intérêt n'est-il pas élevé de reformer notre modèle pour l'adapter à nos besoins de bonne gouvernance à travers l'instauration de règles contraignantes à la constitution de grands ensembles politiques sains, animateurs exclusifs de la compétition politique. Tout comme les hommes politiques, les modérateurs du dialogue ont des responsabilités. Dialoguer est d'essence constitutionnelle, va conclure Dorothée Sossa. Je voudrais, profitant de l'occasion, citer ici
les prescriptions de l'article 36 de notre Constitution du 11 décembre 1990 qui s'énonce avec force comme suit. Chaque Béninois a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune et d'entretenir avec les autres des relations qui permettent de sauvegarder, de renforcer et de promouvoir le respect, le dialogue et la tolérance réciproque en vue de la paix et de la cohésion nationale. Le dialogue et la tolérance, dit le constituant. Dialoguer pour la paix dans notre pays et la cohésion nationale est donc pour chaque enfant de ce pays un devoir constitutionnel, une obligation suprême. Et de l'allant pour ne pas trahir notre destin commun. Pour l'atteinte des objectifs des présentes assises, notre tâche, me semble-t-il, est grandement facilitée par le message circonstancié que vient de nous délivrer le chef de l'État. Une cérémonie millimétrée à la minute près, l'ouverture effectuée, le chef de l'État se retire. Les délégués, eux, vont observer une pause. La reprise annonce un travail acharné qui va prendre fin samedi. Restons toujours dans la droite ligne de ce dialogue politique. Vous dites que tous les partis invités étaient présents au dialogue. Après l'ouverture de la rencontre par le chef de l'État, ils ont donné leur avis sur son discours avant de décliner leurs attentes au micro de Marouf Abiola Boussari qui revient sur l'ambiance qui a prévalu au cours de l'ouverture de cette rencontre politique. Le clou de cette matinée consacrée à l'ouverture du dialogue politique est la présence des membres du parti Force Corée pour un Bénin émergent. Ils sont arrivés après l'ouverture des discussions par le chef de l'État. Nous avions pensé que l'ouverture était pour 9h30. Eh bien, elle a été faite un peu plus tôt. Mais écoutez, le plus important, c'est que nous soyons là. Tous les partis invités sont donc présents à ce rendez-vous. Bien avant l'ouverture des discussions, les groupes politiques, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités sont arrivés l'un après l'autre, sereins, calmes et conscients de l'enjeu des discussions pour lesquelles ils ont été invités. C'est à 8h50 après que 8 partis sur les 9 invités aient fait leur entrée que le cortège du chef de l'État a fait son apparition. Patrice Talon entre dans la salle prévue pour l'événement, lance officiellement les assises et ressort quelques temps après. Vive la classe politique. Vive le Bénin, je vous remercie. Le discours du chef de l'État a fait part des orientations et dévoile les objectifs des assises. Un discours très apprécié. C'est un discours très constructif. Il nous appelle à dialoguer, à nous parler. Les Béninois, quand ils se parlent, trouvent toujours des solutions aux problèmes qu'on croyait au départ insolubles. Nous allons nous parler et nous trouverons des solutions qui marchent pour notre pays. Le président de la République a fait un discours d'importance capitale pour notre pays. Et je crois qu'il a su placer les bons mots au bon moment. Et je crois que ça va encourager l'ensemble des délégués. Dans son discours, les thèmes de référence ont été clairs. Il a été explicite et demande à la classe politique de réexaminer ce qui a bloqué le processus électoral. C'est un discours qu'il place véritablement les acteurs politiques dans leur rôle. Nous sommes en phase de réformes difficiles qui ont eu quelques tumultes dans leur phase opératoire. Et c'était important que la classe politique puisse se réunir pour voir ce qu'il est possible d'ajuster dans une démarche de cordialité pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est un discours responsable, un discours percutant qui trace la feuille de route de la discussion qui va démarrer tout à l'heure, c'est-à-dire dialogue constitutionnel pour réajuster ce qui a pu faire des difficultés à certaines formations politiques. Le chef de l'État a été clair dans son discours, d'abord en confirmant donc l'option qu'il a prise et de faire examiner les textes à caractère politique qui sont source de controverses aujourd'hui et trouver ensemble avec la classe politique une solution.
Cela veut dire tout simplement que, au pragmatisme, il vient son humilité, il ne veut pas régler le problème tout seul, il veut un consensus autour des solutions à nos problèmes politiques. Il faut s'en féliciter et il faut le féliciter. L'ambiance était plutôt bon enfant, je dirais peut-être studieux, et surtout très solennel, compte tenu de l'exceptionnalité de la situation. Et on a besoin de sortir d'une situation présente, que tout le monde sait pas très agréable. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. Et tout le monde a conscience de l'importance de ces journées-ci. Tous autant qu'ils sont, espèrent finir les travaux sur de bonnes notes. Le génie béninois va l'emporter. Et ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. Je crois que le Bénin va étonner positivement. C'est le moment de parler entre nous, de parler, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qu'il faut corriger dans l'intérêt général. C'est très important. Et c'est pour ça que vraiment, je félicite les acteurs politiques qui ont répondu. Nous sommes heureux de constater que tous les partis invités sont présents. Cela montre que les Béninois aiment leur pays et n'aiment pas que leur pays aille en lambeaux. Nous sommes les enfants, les filles et les fils d'un même pays. S'il y a des difficultés dans le pays, il n'y a que nous qui puissions nous asseoir pour discuter, dialoguer, rapprocher nos positions, qui puissent nous permettre donc de continuer la marche ensemble. Je souhaite vivement que ce dialogue nous amène, nous conduise à de bons résultats, qui soient consensuels et qui permettent, disons, d'avancer, non seulement dans les réformes, mais pour servir les intérêts de notre pays. Les lois ont induit certains dans de grosses erreurs, de sorte qu'ils soient en ce moment devant la justice. Bon. Si le dialogue permet de cimenter certaines choses, je pense que c'est pour le bonheur du peuple. C'est notre contribution à la paix sociale. Il était important pour nous, comme le dialogue a commencé déjà ce matin, de venir alors directement ici pour donner lecture de la réponse de notre parti politique par rapport à la tenue de ce dialogue politique. Nous ne sommes pas d'accord peut-être avec l'ensemble du fonds qui a été annoncé, mais nous sommes venus pour essayer de voir si en venant ici et en posant notre problème, si nous pouvons changer quelque chose. Et moi, je suis surtout là pour la cause des femmes. S'il faut aller jusqu'à la révision de la Constitution pour cette parité, je suis pour. Merci. Ça, cette étape, ça nous rassure. D'autant plus que le chef de l'État a annoncé le dialogue. Il l'a organisé. Pierre D profite de cette occasion pour saluer cette démarche qui a été jusqu'au bout. Toutefois, nous déplorons l'absence de certaines personnalités qui auraient rehaussé ce dialogue. Même s'il y a à déplorer l'absence de certaines personnalités, les partis présents restent rassurés de ce que le dialogue aura une issue favorable. Le parti Foscori.Bénin Émergence s'est fait longtemps désirer mais répond enfin à l'appel contre toute attente. Suivons ici le reportage de Isaac Adjé et Jean-Marie Kédolou sur le fait. À travers une lettre qui a fait le tour des réseaux sociaux, le parti Foscori pour un Bénin émergent, parti déclaré de l'opposition, évoque des préalables, conditionne sa participation au dialogue politique annoncé par le chef de l'État Patrice Talon. Partagé entre doutes, incertitudes et suspicions, la FCBE s'est enfin décidée. Les leaders du parti étaient bel et bien présents ce jeudi 10 septembre 2019 au rendez-vous politique. Que dis-je, au rendez-vous de vérité qui prend corps au Palais des Congrès pour durer 3 jours. Un dialogue, pour nous, c'est une opportunité. Il n'y a pas de dialogue vraiment qui ne soit pas orienté. Chacun vient au dialogue en espérant quelque chose. On avait suggéré des préalables pour dire à condition qu'on libère nos prisonniers, à condition qu'on fasse un effort pour que les exilés reviennent, pour qu'on restitue les corps et qu'on reprenne les élections. Bon, c'est des préalables. Maintenant, celui qui veut nous donner, celui qui pense, et là on va dire non, les préalables viennent après. C'est-à-dire, au lieu que ces préalables soient au début, les préalables deviennent conclusion. C'est-à-dire, si vous venez nous dialoguer,
les préalables. Ce que vous voulez, vous allez recevoir après avoir porté vos préalables au cours du dialogue. C'est pourquoi on est arrivé. Sinon, en réalité, il n'y a pas de problème. Nous pensons que tout ira très bien. Vous voyez, l'unanimisme n'est pas autorisé en démocratie. C'est, ce que vous voyez, c'est le dynamisme aussi au niveau des forces scolaires pour un bien émergent. Il n'y a pas de quoi réfléchir. C'est ce qui arrive pour des grands partis qui échouent. Et la gestion de l'échec n'est pas facile. Nous ne pouvons pas attendre que tout le monde applaudisse, pourvu que notre présence ici nous permette d'amener un résultat. Telle la parabole de l'époux et les dix vierges dans le livre de Matthieu chapitre 25, la FCBE s'est fait longtemps désirer au point d'émettre le doute dans les esprits quant à sa participation au dialogue politique. Mais enfin, la raison a pris le dessus et la décision est prise. Toutes les guerres finissent toujours autour d'une table de négociation. Nous pensons que la politique de la chaise vide ne nous permettra pas de sortir de notre situation. C'est aussi ça la marque des grands hommes et prix de développement. Encore un dernier élément toujours rattaché à cette actualité avant de conclure cette... Victor Tokbanou et Dorothée Sosa. A cet effet, une équipe de notre rédaction est allée recueillir l'avis de quelques citoyens sur la décision. On les écoute au micro de Karine Adeni et Silas Zouy. S'il a constaté que ça ne va pas, c'est déjà grand, c'est la noblesse. C'est une bonne décision parce que si lui-même est là, on peut dire qu'il a manigancé, il ne va pas respecter. Maintenant, c'est très bon. Il a décidé de confier ça à ces gens-là. Ce que le président veut, les oppositions ne veulent pas. Ce que lui aussi, les oppositions veulent aussi, les oppositions ne veulent pas. Donc, il n'a qu'à laisser gérer. Après, lui va conclure. Sinon, si lui-même est là, à sa présence-là, il n'aura pas de l'entente entre eux. Quoi. Le président de la République ainsi que les opposants qui ont participé à ce stade, il faut qu'il y ait une consensus entre eux. Ce qui doit sortir de là, il faut que les deux côtés respectent ça. À partir du moment où lui-même est déjà là, si il laisse ça maintenant à ces autres-là, qu'est-ce qu'ils feront? Ils feront rien de bon. Il n'a qu'à supporter. Il n'a qu'à laisser gérer. Après, lui, il va conclure. Ben, il est le chef de l'État. Et je pense que lui aussi, il est en train de penser à la réconciliation politique pour que le Bénin avance. Ce sera là la fin de cette édition. Actualité oblige, on va souhaiter bonne continuation des travaux à tous les délégués présents au Palais des Congrès pour le dialogue. Peut-être bien qu'un nouveau jour se lèvera pour le Bénin au terme de ces trois jours d'échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon appétit si vous êtes à table et à bientôt.